Coucou à tous, c'est Grim. On se retrouve sur ma chaîne pour un nouvel épisode du Let's Play Lunar Zodiac Challenge. Donc c'est l'épisode numéro 2. Voilà, si vous avez suivi le premier, vous vous souvenez que donc Ilargia vient d'arriver avec 2000 simflouz en poche. Elle a donc construit une petite bicoque qu'on voit derrière. Plus ou moins, voilà, qui est toute petite, qui est pas meublée, qui est ridicule. Donc, on a récolté un petit peu tout ce qu'on pouvait autour de l'île. On a récupéré du mufflier, donc on va les planter pour... ça va nous rapporter de l'argent dans les jours qui arrivent. Elle a fait quelques toiles, et en fouillant, en creusant les cailloux, elle a réussi à obtenir 1200 simflouz, donc... On va pouvoir acheter une petite douche parce qu'elle est vraiment pas au top de sa forme. Et puis peut-être autre chose qu'une glacière, quoi. Donc, puis peut-être pouvoir agrandir la maison de ces quatre. Enfin, ça fait beaucoup de choses à faire, mais on va essayer déjà de se mettre une petite douche. Ça va être pas mal. Parce que la pauvre, elle est au bout de sa vie. Donc une douche, qu'est-ce qu'on a ? Alors j'avais pensé prendre la douche d'extérieur, mais on va se calmer parce que... alors vous avez pu effectivement le remarquer, ces épisodes ont été tournés avant la sortie de saison. Puisque j'ai anticipé, j'ai pré-enregistré quelques épisodes. Mais dans pas très longtemps, il va commencer à y avoir de la pluie, de la neige. Donc je peux pas mettre trop de choses dehors parce que sinon on va vite se retrouver à la rue. Donc je pense que je vais investir directement dans une douche baignoire. Parce que d'ici peu de temps, on va se retrouver avec des bambins et il va falloir les laver, ces trucs-là. Donc, c'est un petit peu beaucoup plus cher qu'une douche, mais au moins... Parce que, attends, la douche, elle vaut 275 et la baignoire, premier prix. Ah bah non, il vaut mieux prendre séparé. Allez, puis ce serait bien qu'on mette... genre des lumières, tu vois, des trucs comme ça. Parce que la pauvre, elle est un peu dans le noir, j'ai pas de fenêtre non plus... Ah, peut-être essayer de mettre une lumière déjà, puis une fenêtre. On va aller là-dedans. Éclairage. Un truc qui pend du plafond, c'est pas mal. Pas cher, hein, de préférence, et qui éclaire bien. Voilà, magnifique. C'est basique. Une petite fenêtre peut-être. Qu'est-ce qu'on va mettre comme fenêtre? Genre une fenêtre en fond, là. Un truc qui va avec ce que j'ai mis déjà, genre, vous les rustiques. Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais pris... Ah, c'est très ouvert quand même, hein. Est-ce que c'est à l'envers, mais... c'est un peu trop open, je trouve. Mais du coup, moi, je voudrais en deux. Ah ouais, quand même. C'est imposant, ça. Bah, genre ça. Ça peut être pas mal. Oh, ça, tiens, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, sinon? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ouais, ça va pas. Ça me plaît pas en deux. Je peux pas le mettre au milieu. Fatigant. Je voudrais le mettre au centre, moi. On sent que je suis mauvaise en déco quand même, parce que je sais même pas où sont les choses. Ah, ben voilà, c'est ça qu'il me faut. Tu l'as pas enfoncé là pour aller en raccord avec le reste? Ouais, c'est pas mal ça. C'est dans le bon sens. Ça a l'air, par contre, c'est un peu bas. Voilà. Bon, ça ira à peu près. De toute façon, la maison, elle va être amenée à être détruite et reconstruite. Qu'est-ce qui nous manque? On va peut-être acheter, genre, un vrai frigo, quoi. Et... Ah oui, un barbecue. On va se prendre un barbecue pour l'extérieur. Pour l'instant, on va en profiter. Il n'y a pas de neige. Donc on a dit extérieur, et puis barbecue, c'est pas mal barbecue. En attendant, voilà, c'est bien, on va pouvoir se faire à manger. Griller. Non, va te laver d'abord, parce que je sens bien que t'es au bout de ta vie.
prendre une douche et se griller des saucisses, tiens. Ah, et aussi ça à vendre. Bon, bah c'est pas mal, on s'en sort bien déjà, on n'avait rien. Là, on a une glacière, une douche, des toilettes et de quoi faire du barbecue. Je veux dire, j'ai déjà connu pire dans d'autres parties, hein. Donc c'est pas mal. Ouais, vas-y, chante. Bon, on ne sait toujours pas si le premier bébé est une fille, hein. Je rappelle, on ne peut avoir que des filles. Il nous en faut 12. J'ai pris le premier papa. Je suis restée dans le classique, hein. J'ai pris Don Lotario. Voilà. Hein, comme je disais dans la vidéo précédente, un bon challenge est un challenge où Don est dedans. Donc, putain, elle lui en met du temps à se laver. On sent qu'elle était bien crade, hein. Allez. Voilà. Après, quand le bébé sera là, on va les laisser nous fournir le couffin. Ça évitera de l'acheter. Ah, bah, ça sent mieux quand même, hein. Elle sent mieux. Et nous, on a des plantes. On peut pas les poser par terre là. Je suis peut-être au bout du terrain, hein, tu me diras. Faites glisser. Ben oui, mais je peux pas. Il veut pas. Ah, ben là, il voulait pas. Là, il veut bien. Allez, on va la laisser manger. Ah non, tu veux pas manger. Allez, bah prends une portion. Après, on mettra tout ça dans la glacière. Et après, tu iras planter. Eh ben, les 5 plantes que tu as ramassées. Hop, ça, dans la glacière. Ça va pas dans la glacière. On peut rien mettre dans les glacières. Oh, cette arnaque. Bah non, on va acheter un frigo. Hein. Attends. Ah bah non, on peut rien mettre. Alors, est-ce qu'on va avoir un frigo pour 400 simflouzes? Moi, j'ai un doute. Ah bah si, vous voyez. Ouais, l'occasion, très bien. L'occasion, c'est la vie. Comme ça, parce qu'on va pas avoir... devant la fenêtre, c'est pas terrible. On va se mettre là. Et... Ah oui, donc non, en fait, c'est... Ah si. Voilà, comme ça, hop, les saucisses, elles restent là. Et donc ensuite, tu vas pouvoir aller planter. Oh, génial, ça a poussé. Récolter. Est-ce que les autres ont poussé les murs? Non, les murs, non. J'irai voir après les fraisiers. Et hop, on va planter tout ça. Planter, 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 planter et... Ah, il y a trop de choses. C'est avec ça qu'on va se faire de l'argent comme d'habitude parce que... voilà. Parce que ça rapporte. Hop. Ok. Donc ça, c'est fait. Elle a tout planté. Ensuite, utiliser. Ah oui, j'ai même pas dévié, rien du tout. Il y a trop de choses à acheter et pas assez d'argent, quoi. Faut que j'agrandisse la maison aussi, parce qu'avec l'arrivée du bébé, je vais avoir besoin de place. Puis j'aimerais bien mettre le bébé dans une pièce séparée pour pas qu'il me réveille toutes les 2 minutes. Oui. Alors ça, on va être emmerdé à chaque fois, vu que j'ai remis le MC commande. Center. Bon, allez, on est pas mal. Allez. Oh, c'est bien, c'est comme elle est seule, on a la vitesse ultra rapide. Ça, c'est cool. Ça m'avait manqué dans le single sim challenge, ça. Bon, alors, on va prendre des restes. Et allez, tu vas aller t'occuper de tes plantes. Arroser, c'est pas mal. Et moi, je vais aller voir si les fraises ont mûri. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, Tatan va se détendre. Parce que toi, je te vois venir.
Verrouiller la porte pour tout le monde, sauf les... Tout le monde, sauf les membres du foyer. Allez hop. Allez, on est parti. Ah bah non, il s'est que passé, mais bon, on sait jamais. La dénousée matinale, magnifique. Je suis en train de perdre ma voix. Pardon. J'ai du mal. On va baisser les... Hop, on va baisser les murs. Bon, c'est bien, maintenant on mange chaud. C'est pas mal. Bon, pour l'instant ça va, mais je... Oui, non, je veux pas d'écouteurs gratuits, merci. Pour l'instant, on s'en sort bien, mais on s'en sort toujours bien avant qu'il y ait le premier bébé. C'est d'expérience, je sais. Ah, par contre, la robe est pas forcément faite pour une grossesse, j'ai l'impression. Parce que t'as les cuisses qui débordent. Ce qui est bizarre, parce qu'elle a pas pris des cuisses normalement, mais du ventre. Du coup, ça fait bizarre. Peut-être on va aller te changer, madame. Que ça fait étrange quand même ces bouts de peau qui sortent comme ça. Bon, bah, de toute façon, là on s'en occupe, on peut rien faire d'autre. Ensuite, hop, aller aux toilettes. Bah, tu vas peindre, hein, ma pauvre dame. Parce que ça va te rapporter. J'adore ce jingle. Je sais, je me répète à chaque fois, mais j'adore vraiment ce jingle. Alors, hop. Allez, un joli tableau, magnifique. J'ai envie de bricoler. Non. Oh, pas la convention geek, mais merci quand même, Don. C'est gentil. D'ailleurs, si c'est un garçon, tu vas bientôt recevoir un petit paquet. Cadeau. Juste pour toi. Allez, hop. À vendre. Ça rapporte pas grand chose pour l'instant. Toile classique, grande toile classique. Et elle s'enquiquine aussi, donc il faudrait. Il va falloir que je trouve des. Genre lui acheter des livres ou des machins comme ça parce que. elle veut des objets pour enfants. Bah ouais, mais écoute, pour l'instant. Pour l'instant, non. Si je fais annule, ça va lui valider les points. Acheter une piscine. Ouais, non, alors la piscine, tu vois, on en est loin. C'est pas encore pour tout de suite. On va attendre un petit peu pour la piscine. Pour la grande piscine olympique. Façon single sim challenge. Allez, go. Ouais, alors combien ça va me rapporter, ça? Pff, 110, quoi. Allez, hop. Il faut acheter une bibliothèque ou quelque chose pour qu'elle puisse se divertir, sinon elle va trop s'enquiquiner. On va prendre une bibliothèque pour enfants, comme ça va faire monter son aspiration. Puis de toutes les façons, c'est ce qui se fait le moins cher. Allez. Donc là, normalement, voilà, elle a pris des points. Lire quelque chose. Allez. Vas-y, ma fille, t'y es presque. Après, tu feras un peu de ménage. Ah oui, il faut une poubelle ou un évier. Ouais, c'est pas bête. Est-ce que j'ai assez pour un évier? C'est sympa, un évier. Ça peut être utile. Bon, ah, se laver les mains. Se laver, quoi. Ouais, hop, celui-là est pas cher. Magnifique. Donc, ceci est la salle de bain. Ceci est la cuisine. Ceci est la chambre. Voilà, au milieu le salon, tout est bien réparti, tout est bien organisé, nickel. Pas besoin de grand finalement. Allez. T'es bien. Est-ce que ça t'a bien diverti? Je suis pas sûre. Ouais, si. Allez, prendre des restes. Et après tu fais un peu de ménage, s'il te plaît. On va pas commencer à vivre direct dans une porcherie, si possible.
Puis alors du coup la deuxième inconnue, ça va être comment vont être les enfants? Est-ce qu'ils vont être tout blancs avec les cheveux gris comme leur mère, ou est-ce qu'ils vont tenir de leur père? Ça, c'est un mystère. Comme c'est alors la couleur de peau est un CC. Du coup, j'en ai pas beaucoup des CC comme ça. Du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que les enfants prennent peuvent récupérer des skins personnalisables comme ça ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, les CC et la génétique. Bon, allez, utiliser. Non, bah ça va pas en ramasser 200. Par contre, les fraises, j'aurais bien aimé avoir quelques fraises. Même si j'ai pas vraiment le droit d'en manger pendant la grossesse. Parce que je crois que c'est les fraises qui donnent, qui déterminent le sexe. Et ça, c'est quoi? Non, et les murs? Non, les murs, toujours pas. Les murs, non. Ah, par contre, les rochers, oui. Et vu la poupée vaudou qui nous a rapporté quasiment 1000 tout à l'heure, faut pas négliger les rochers. Casser des cailloux, c'est la vie. Je casse des cailloux dans les Sims, je casse des cailloux dans Don't Starve, je casse des cailloux dans World of Warcraft. Décidément, c'est une constante. Dans tous les jeux que je fais, je casse des cailloux. Peut-être une reconversion. Je vais devenir mineur. Allez, on va chercher. Ouais, magnifique. 10, rien que ça. Alors, on va peut-être pas mettre les 10 quand même, hein. Hop! Et ouvrir. Décoration qui met d'humeur joueuse. Non, mais ça, on s'en fiche. Toi, tu reviens par là. Et qu'est-ce qu'on a? On va juste aller aux toilettes et puis on est pas mal, hein. Combien de temps là? Troisième trimestre dans 18 heures. Ouais, c'est pas tout de suite quand même, hein. Je t'ai dit que tu pouvais prendre une douche? Non, je t'avais pas dit. Bah, tu peux aller prendre une douche en fait. Puis après, bah, tu vas aller les peindre sur ton chevalet. Parce que maintenant qu'on a 2-3 meubles, il faudrait agrandir la maison en fait pour accueillir tes futurs. Ta future progéniture, ma petite Hilaria. Ouais, la robe, elle supporte mal la grossesse. Et comme elle va passer une bonne partie de ce challenge enceinte, je pense qu'il va falloir aller changer. C'est dommage, j'aimais beaucoup. Je trouvais que ça faisait bien déesse, quoi, déesse de la lune. Tant pis, on va aller chercher autre chose. Allez, hop. Allez. C'est un petit peu. Ah oui, elle s'ennuie. Attends, attends. Alors arrête de dessiner et va appeler Don. Parce que c'est la seule personne que tu connaisses dans le secteur. Discuter, discuter, discuter et discuter. Après, ça va faire tard et il va me dire c'est pas une heure pour appeler les gens. Donc, même là, je suis pas sûre. Je crois qu'à 23 h, c'est mort. Donc, à mon avis, je pourrais pas faire les 3. Enfin, les 4, je crois que j'ai mis 4. Qu'est-ce qu'il fout dehors? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? En va-toi de là, tu ne feras pas d'enfant avec elle de toutes les façons. T'es trop vilain. C'est pas possible. Alors ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Allez, à la fin. Prendre des restes. Et après, dodo. Comment je ne suis... Je suis en train de dormir. Ah bah ça, je savais qu'il allait me jeter parce que ça allait être trop tard. Franchement, quelle honte. Donc là, il manque 13 heures, donc ça fait du midi. Très bien. L'important, c'est de le savoir, hein. Allez, on passe en vitesse ultra rapide pour la nuit. En attendant qu'elle se réveille et que donc on aille aux toilettes, parce que comme toute femme enceinte qui se respecte, elle n'a plus la maîtrise de sa vessie. Et puis un petit peu de manger les restes quand même. Voilà.
Un petit coup de ménage. Et ça va être pas mal. Bon, j'aimerais bien qu'elle accouche pour savoir si c'est vraiment une fille ou si c'est un gars qui sert à rien. Mon jeu est assez stable là-dessus, hein. Quand je fais un sans bébé, je me rends compte que je suis quand même proche du 50-50. Donc, de toute façon, même si c'est une fille, il y a quand même une chance que les garçons arrivent derrière. Donc, va falloir faire avec. Je crois que je vais quand même aller la faire s'allonger quelques minutes, faire une sieste. C'est fatigant d'être enceinte aussi, hein, je vous dis, hein, c'est pas évident, hein, la pauvre. Pareil qu'il y a un cirque célèbre. Ouais, bah non, on va pas le voir parce qu'elle est fatiguée. Et qu'elle a une toile à reprendre. Allez, on va laisser dormir, pas trop tard parce qu'après elle dormira plus. Allez, hop, 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 en avant. Et puis bon, bah, dans quelques épisodes, vous commencerez à voir arriver la pluie, la neige, les choses comme ça. J'attends avec grande impatience la sortie de saison. Voilà, je suis obligée d'anticiper un peu ces vidéos parce qu'entre la sortie de saison et mes vacances, il n'y a que quelques jours et que je vais être très très occupée à vous présenter cet add-on. Du coup, j'ai anticipé sur l'enregistrement des vidéos pour ce challenge. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et que bon bah, ça passe quand même. Après tout, on a eu du soleil éternel pendant 4 ans, donc on peut peut-être s'en passer pendant 2-3 épisodes. Allez hop, après tu vas aller arroser. De toute façon, si j'y arrive pas, j'embaucherai un jardinier au bout d'un moment. Quand il va commencer à avoir trop de plantes d'un coup, j'aurai pas le choix. Elle s'ennuie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller lire. Vendre, ça c'est bien. Et lire quelque chose. N'importe quoi, ce que tu veux, amuse-toi. L'important c'est que tu trouves ça fun. Allez, aux toilettes, mademoiselle. Et une douche. Hop, une douche méditative. Et manger quelques restes. Il faut que je lui trouve une tenue. Donc il faut que j'achète un miroir peut-être pour changer de sa robe. Parce que du coup, celle-là est pas terrible. Bon bah un miroir petit et pas trop cher, hein. Préférence. Ah, et je peux pas le mettre au-dessus du lavabo, sinon c'est pas drôle. Parce que c'est en. Parce que c'est en diagonale. Et. C'est pas grave, on va acheter une commode. Hein. Ah bah non, on peut pas acheter une commode. Ça fait chier là pour la vitre. Vous entendez là que j'ai plus du tout de voix? J'espère que ça va aller. Et bah sinon, on va mettre ça là. De toute façon, ça ira dans la chambre des enfants. Hop, dans l'entrée. Pour se refaire. Ouais, ou alors tenez, regardez, je vais faire autrement. Je vais prendre le grand miroir dans l'entrée pour se faire une petite idée de quoi on ressemble avant de sortir. Voilà. Nickel. Et prévoir une tenue. Alors oui, je sais. Si on change de tenue, c'est juste, voilà, parce que la robe est très jolie, mais elle ne va pas quand elle est enceinte. Et comme elle va être enceinte quand même 12 fois. Ce serait bien qu'elle ait une robe. C'est dommage, hein, je comprends pourquoi il y a les jambes qui merdent alors que la déformation elle est en haut. Bon, tant pis. Ah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te mettre? Ouais, ça j'aime bien à la limite. C'est quoi ça? Ah, super. Qu'est-ce qu'on va bien mettre? C'est quoi ça? Ouais, mais ça fait pas très DS, hein. Non, ça fait trop. On va rester raisonnable quand même. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, bof. Ouais, bon, pas son corps. Bon, bah, allez, ça va être ça, hein, de toute façon. J'ai pas le choix, hein.
changement de look pour une nouvelle vie. J'ai pas le choix de lui changer un peu sa tenue, parce que sinon ça fait vraiment très moche. Et c'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup cette tenue. Alors ensuite, on en est où? Eh ben manger les restes. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Construire une table de jeu. Ouais, mais là, si tu veux, ouais, bon, on verra tout à l'heure. On va la garder. Non, on fera pas de bénévolat, non. Tu veux quoi? Acheter un four, ouais, non, mais ça... Flirter avec quelqu'un, ça va pas être tout de suite, hein. J'ai déjà dit, le bénévolat, c'est pas possible. On n'a pas de famille. Acheter un lave-linge. T'as déjà vu une déesse de la lune faire à laver son linge, toi? 999. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, par contre, c'est dégueulasse chez toi. Faudrait un petit peu... J'ai des fraises à planter, moi, non? Il me semble, hein. Hop. Ça... Ah non, pardon, 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 pardon. Et ben après, quelques murs et puis notre jardin sera complet. Hein. Allez. Bon, alors ça, c'est pareil, ça met du temps à arriver, l'argent avec les plantes, mais ça arrive toujours. Allez, on va accélérer un petit peu. T'en es où, là? Ah, déjà au troisième trimestre. C'est très, très bien. Allez, s'occuper de ces plantes. On va nettoyer les toilettes. Hop, on va les arroser. Ah, faudrait les désherber aussi, mais je dois pas avoir le niveau. Hop, on va s'en sortir. Et les murs? Non. Le mur, ça veut pas. Ouais, allez, aux toilettes et au dodo. Et voilà, c'est pas mal. Bon, on avance bien. J'aimerais bien qu'elle finisse par accoucher, là. Hop, on va accélérer jusqu'à demain. Pour qu'on sache enfin si c'est une fille ou un garçon, je n'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais l'appeler, par contre. D'ailleurs, je pense que vu le temps qui est passé, là, je pense que dès qu'elle aura donné naissance au bébé, ben, en fait, on arrêtera l'épisode numéro 2 et que vous aurez le prénom dans l'épisode numéro 3. T'as vu le suspense de ouf que je mets dans la vidéo, quoi? Mais quel est son prénom? T'étais pas censée aller aux toilettes avant d'aller dormir? Non, bah ben non, pourquoi faire? Allez, action, là. J'aimerais bien voir ce bébé. Je crois qu'elle est tombée enceinte aux alentours de midi ou 13h dans ces eaux-là. Donc c'est pour bientôt. On va voir ce que ça donne. Allez hop. Lis quelque chose. Et il faut que tu discutes. Mais voilà, à 5h du matin, donne, tu l'auras jamais. Il ne va jamais vouloir décrocher. Quand tu vas décrocher, tu vas te faire défoncer. Donc c'est pas la peine. Allez. Je sais pas ce qu'elle lit. Moi, j'imagine que c'est pareil que la dernière fois. Alors. Bon, c'est bon, t'as assez lu. On va essayer d'appeler Don. De toute façon, c'est le seul qu'on a dans notre répertoire. Donc, tant pis pour lui. Moi, j'ai besoin de faire remonter sa barre de social. Voilà. Et après, elle va aller me faire un peinture. En attendant l'arrivée de bébé. Allez, c'est parti. Allez, c'est finir de discuter avec Don. Alors, peut-être aller aux toilettes avant d'aller faire la peinture. Parce que ça se détériore. Oula. Super, elle est tendue. Tendue, on ne sait pas pourquoi, mais elle est tendue.
pourquoi t'es tendu. Ah, parce que tu manques de flirt et de tout ça. Bah ouais, mais... Tu veux que je te dise, moi. Pour l'instant, ça sert à rien. Tu peux rien faire. Bon, quelle heure il est? 10h30. Allez, tu es presque à l'accouchement. J'ai trop envie de savoir si c'est une fille ou un garçon. Savoir si on commence bien ce challenge ou si dès le départ, on se met dans la merde. Moi, je sens qu'avec le bol que j'ai, ça va être un garçon. Mais j'ai confiance en Don et donc je suis sûre qu'il va me pondre une magnifique petite fille. Avec des fossettes et tout. Nickel. Vendre à un collectionneur. Bon, ça rapporte toujours pas beaucoup, mais bon, ça rapporte. Ah, je peux commencer à récolter ça. C'est bon. Et les murs? Les murs. Oh, les murs. Allez, récolter les produits. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Je voulais réaménager un petit peu. Hop. 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 Et hop. Voilà, après on mettra une petite clôture, tout ça, quand on aura un petit peu d'hypognon. Bon, midi, elle devrait pas tarder, là. Enfin, je crois. Faut pas gagner, mais si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'on n'était pas loin. Alors, ensuite. Alors, on va planter ça. Bah alors, je suis hors terrain, c'est ça? Il y a des chances. Non, je me suis pas bien mis. Et qu'on les... Hop, hop. Hop, celui-là. Hop, voilà. Est-ce que tu veux bien venir les planter? Ah, il faut que je me mette... Ah non, pas manger, planter. Allez, puis de toute façon, ça va bientôt être l'heure, là, non? T'es pas censé accoucher à un moment donné? Ah, voilà, le travail a commencé. Ah, faut que je cuisine, j'ai plus rien à manger. Alors, je peux pas la faire accoucher, parce que si je veux la faire accoucher en avance, il faut que j'achète un couffin. Et il est hors de question que j'achète un couffin, puisque je n'ai pas d'argent. Donc, hop, utiliser, griller, hamburger. Combien de temps il reste? Allez, 45 minutes. Ah, tu peux peut-être manger les restes, non, avant d'accoucher. Allez, combien de temps il reste? Vous avez vu? Bon, j'étais un petit peu en retard, hein. Ah, sinon, remarque. Alors. Fille, garçon, fille. And the winner is... On ne sait pas. C'est une fille. Ah, je savais que je pouvais compter sur Don. Donc, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Je vais aller chercher un prénom dans mon imagination sur Internet. Et puis, on se retrouve pour l'épisode 3 d'ici 2 jours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous profitez bien des vacances. Et puis, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Gros bisous !